Je me présente. Jean-Luc Marcastel, auteur de romans imaginaires, adultes ou jeunesse, entre autres de La Saga Louis le Galou, du Dernier Hiver, du Simulacre et bien d'autres encore. Je viens vous parler aujourd'hui de ma saga Terre. Se déroulant en France dans un futur post-apocalyptique, une fresque qui même si elle s'inscrit dans l'avenir n'en garde pas moins le souffle épique de la fantaisie. Une œuvre à la croisée des genres, comme nombre de mes récits. Il est des histoires comme ça qui semblent s'imposer à vous, comme chuchotées à votre oreille par quelque voix spectrale échappée d'ailleurs. C'est le cas de Terre. Jour après jour, nuit après nuit, dans une sorte d'état second, j'ai décrit tout cet univers, un univers immense, avec sa faune, sa flore, ses sociétés, humaines ou non, ce monde d'après, et je n'en livre dans cette trilogie qu'une infime partie. Mais de quoi parle-t-elle Si vous le voulez bien, et si vous acceptez de me suivre, projetons-nous dans l'avenir. Plus de mille ans. Dans l'avenir, j'ai ramené de là-bas des documents, des comptes rendus d'expéditions, des récits d'historiens de ce temps lointain, et voici un extrait qui vous présentera ce monde mieux que je ne saurais le faire. Il y a plus de mille cinq cents ans, les nations de l'ancien monde, unifiées sous une seule bannière, étaient enfin en paix. Nos ancêtres ayant domestiqué des forces dont nous avons perdu la connaissance avaient colonisé la Lune, y avaient installé une cité, et commençaient à se répandre dans les autres planètes de ce système solaire. Par leur maîtrise de la nature, en altérant leurs propres gènes, ils avaient créé les Homo Orchinus pour mettre en valeur les fonds océaniques, une humanité nouvelle vivant à côté de nous. La prospérité et le progrès semblaient ne pas avoir de limite. Mais le ver était dans le fruit. Là-haut, sur la lune blafarde, dans la cité de Sélénia, Arken le maudit se livra à d'abominables expérimentations et créa le haut mal, la malpeste, qui s'empara, dit-on, des corps et des âmes de ceux qu'elle touchait. De la lune, avant qu'elle ne soit frappée par nos navires de guerre, tomba sur nous le fléau d'Arken. Le feu de l'Antire ravagea notre monde, le balaya de vagues de feu, submergea des pays entiers, secoua la terre comme un simple tapis, renversant les orgueilleuses cités de verre et d'acier de nos ancêtres qui s'élevaient jusqu'aux étoiles, et recouvrant ce monde de nuées pendant plus de mille ans. L'âge des ténèbres et du froid le nocturnage. Seuls survécurent ceux qui avaient pu gagner les bastions Perséphone IV, ces cités souterraines conçues lors d'une guerre précédente, mais qui n'avaient jusqu'alors jamais servi. Pendant plus de mille ans, l'humanité se terra dans les profondeurs de notre monde, d'une bête blessée. Certains de ces abris devinrent de petits enfers privés dirigés par des dictateurs autoproclamés. D'autres cessèrent de fonctionner, livrant ceux qu'ils abritaient au froid et à la mort. Enfin, après mille ans de ténèbres, les nuées s'écartèrent. L'humanité put sortir à nouveau et retrouver un monde plus sauvage, plus redoutable. Un monde qui avait évolué sans elle et ne l'attendait plus. En Avarnia, un énorme volcan s'est éveillé. Son ombre colossale crache feu et flamme, dominant toute cette région de son creuset infernal, de son panache noir et de ses humeurs dévastatrices. Une gigantesque faille balafre la terre de l'océan Mange Espoir, l'ancien Atlantique. À la mer saumâtre de Méditerranée, le long du cours tumultueux de Garonne, balayé de mascarés formidables, hanté par les ombres colossales des crocongres géants. La reconquête est rude, les épreuves nombreuses, mais aujourd'hui, cinq cents ans plus tard, l'humanité semble enfin connaître un nouveau départ. La civilisation, sur le territoire de ce qui fut la France, se divisent en plusieurs factions et sociétés aux multiples visages. En Avarnia, les forteresses des clans, dirigées par autant de Castalaines, des châtelaines, reines absolues et en droit de vie ou de mort sur leurs sujets, vident leurs querelles par l'entremise de leurs champions, les Sibériaires, qui se battent aux commandes d'armures géantes de notre temps, capables de ravager des cités entières. De l'autre côté, du cours tumultueux de Garonnailles, à flanc de falaise se dresse la fière et prospère cité de Tolosagne, dont les écluses marines s'ouvrent tous les jours pour libérer les navires congriés à vapeur, dont les équipages bravent la mort pour chasser les redoutables crocongres. Le pont des abysses, ce gigantesque ouvrage de fer entrepris entre ces deux régions, sur lequel circulent les wagons luxueux du Funambulaire, enjambe les frelots noirs de Garonnay. En par-delà le marais de gobemorts, la civilisation est florissante. Mais depuis quelque temps, on n'a plus de nouvelles de la région d'Alpianar, qui est toujours restée sauvage et refermée sur elle-même. Ces solitudes hostiles hantées par des créatures plus redoutables qu'ailleurs. Sous les flots déchaînés du Mange-espoir, les sirénaires, le peuple des vagues, ceux qu'on nommait avant le cataclysme les Homo Orcinus, Séparés de leurs frères de la surface, dans une méfiance réciproque, mènent leur propre existence. Malgré les difficultés, l'humanité semble pourtant sur le point de se réapproprier ce monde. Une nouvelle aube de science et de raison se lève. Mais là-haut, sur l'astre balafré, sous les ruines de Sélénia, la cité lunaire, quelque chose a survécu. Le mal, le haut mal, la malpeste, a réussi à traverser les océans de vide et à gagner notre monde. Elle s'y répand, invisible, rampante, jusqu'au moment où elle sera assez forte pour se révéler au grand jour et frapper l'humanité, la dévorer, l'assimiler. A commencer par le clan noirs en Avarnia, dépositaire et gardien de la seule arme capable de la contrer et Faeria, Castellaina du clan assassiné Noir, dernière survivante des siens, va devoir trouver cette arme, ce remède contre le mal, et lui permettre de remplir son office. Mais quelle est la nature de cette arme, et que devra t-elle sacrifier pour l'acquérir? Pendant ce temps, dans le delta de Garonaï, Yaïn, un jeune harponneur épris d'une sirénaïre, une fille du peuple des vagues, aidée par Vicente, un ancien prétoriaire de la garde d'élite de Tolosagne se lance aux trousses de ceux qui ont enlevé sa belle. Ses destins vont se croiser, et le feu des passions se mêler au brasier de l'histoire, car la dernière bataille pour la survie de l'humanité est sur le point de commencer. Terre. L'histoire du futur s'écrit en lettres de sang.